Gusta, c'est si bon. Yelele, aye pelele, yelele, aye pelele, yelele, c'est les râles. Ya, on a barré du lundi au vendredi. Donc le week-end on joue dans le bénéfice. Direction Assini, je sais les plans racistes. Ramenez-moi des bouteilles de NSI et toutes les go dans la piscine. Cigar, c'est le paya. Champagne, attrapez-moi, il n'entend pas. Ça a déjà foulé, ça a déjà foulé. On a pété le show, ça a déjà foulé. On s'en fout, oh, on s'en fout. Les jaloux nous critiquent, mais on s'en fout, yeah. Si t'as des chapeaux, faut pas des chapeaux. T'as là des 66, faut pas des 66. Si tu veux pas, tu veux pêcher ta skinny. L'essentiel faut profiter, chacun a son mood, je faut pas t'embrouiller. Un giga, un giga. T'as pas déjà de clim, faut pêcher au ventilateur. Toute façon, chacun son modèle. Affaire de jalousie, ça donne pas Jack. Affaire de jalousie, ça donne pas Jack. Tant qu'il y a la santé, le reste en gère. Je porte les calages, moi les baskets. Giga, dans la vie, chacun son giga. Mais y'a quoi? Ben c'est peu que mettre un giga. Ça va vous, oh, ça va vous. On doit célébrer les doigts où y'a caillou. Et n'attends plus à caillou, yeah. Si t'as déjà des chapeaux, faut pas des chapeaux. T'as là des 66, faut pas des 66. Si tu veux pas, tout trouve, mais je t'inspire. L'essentiel faut profiter, chacun a son mood, je faut pas t'inquiéter. Un giga, un giga. On est un giga, on est un giga. Capot, le zélé, le zéléral. Yeah. Puis, merci et puis passez une très bonne journée. Vous dansez très bien. Le zéléral. Ouais, ça va, regarde ta caméra, ça va bien? Ouais, ça va. Pourquoi super. Le zéléral, tu es zélé? Ouais. Hein? En fait, il a commencé par le rap. Ah, d'accord. Il y avait tellement d'énergie, on m'appelait le zélé. Maintenant, c'est un jeu de mots, général, de mots. Zéléral. Ouais. D'accord. Alors on m'a dit que tu as fait un son pour les éléphants. Non, en fait, tu sais, sur la liste des sélectionnés, il y a... Un seul? Oui, un seul. C'est la surprise, en fait, parmi les sélectionnés. C'est mon ami d'enfance. D'accord. J'ai et c'est qui? Lazare Amani. Lazare Amani. Regarde la cam et puis tu fais le truc là, un freestyle pour lui. Lazare Amani, Lazare Amani. Lazare Amani, Lazare Amani. À l'enfant là qu'on aime ballon depuis tout petit. À d'autres, Messi, le Bessin dit ça, Lazare Amani. Il fait la fierté du 210, il fait la fierté de sa famille. Ah, l'élément n'a que la vingtaine, voilà, et petit a de l'avenir. Le foot, c'est dans la famille, demande à Bernadette Amani. Lazare, seul fils du 210 qui est Qatari. À balle au pied, ses adversaires sont pas aidés. Lazare gêne les crochets, la défense est paniquée. À bang bang d'affilée, salto pour célébrer. À le public est enjaillé, à Lazare a befilé. Moi, je peux te décaler à la part de Lazare. T'es un bon, un bon. Mascardel, Mascardel, on se connaît, mais c'est bien ce que tu fais. Et puis, j'ai vu quelque part Exo Chinene.
Exo. Exo, je l'ai vu quelque part. Ouais, Chinene, le Chinene, j'ai vu quelque part. Big up à Exo. Exo, voilà. Exo, c'est mon maître. Yeah, mon maître aussi. Dans le beatmaking, il m'aide aussi. Quand j'ai des problèmes, il dit Exo, des vidéos. Apparemment, c'est le producteur de l'artiste. Hein? Bon, c'est mon directeur artistique. Regarde la caméra, tu es artistique, d'accord? C'est mon directeur artistique. Mais c'est bien, après tu es bien guidé, parce que quand tu es bien guidé, ben il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors, est-ce que tu as un mot à l'endroit de tes papouas? Si, j'ai un mot pour tout le monde. C'est pour vous dire que c'est capo, suivez-moi, donnez de la force, on arrive en temps. Et merci à la Papouasie de nous recevoir. Merci à mon vieux Zone. Bravo. Je pense qu'on se connaît. Bien sûr, ouais, très longtemps. Ouais. En tout cas, merci. Maintenant, je te souhaite bonne chance aussi pour la suite. Merci, mon vieux. Bon, tu peux compter sur nous pour la Merci, mon mot. Merci. Je te reprends ton micro. Et puis tu dis la même chose à Exo Chinene. Bonjour, cher Papouas, bonjour, cher Papouas. C'est moi, DJ Moulukoku, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di Tutti Capi. Voilà. Bonjour aux membres influents de la Papouasie, les membres du gouvernement le plus célèbre de la planète. Et Karina Style. Bonjour. Et Karina Style. Bonjour. The Queen of Berry. Oh yeah. Stylé. Tangent. Parti. Veni. D'accord, ça va bien? Mon Dieu. Ça va, Karina? Pourquoi t'as dit souris comme ça? Karina, au fait, tu te concentrer sur moi. Il te demande si ça va. Tiens, tu as un problème avec ma joie. Ça va, président. Tu as dormi à la maison? Comme toujours. Va bien. D'accord. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la Côte d'Ivoire. Bonjour, Ozone. Bonjour, monsieur le président. Très joli t-shirt. Oui, c'est All Life. D'accord. Ah, c'est Lewis Parker. D'accord. C'est magnifique. Yeah. C'est magnifique. Lewis Parker, c'est à toi seulement, il donne. Hein? Lewis Parker. Tu as appelé son nom ici, c'est fini ça. Alors, j'ai beaucoup de dédicaces. Vous pensez à quelqu'un? Oui. Je souhaite un joyeux anniversaire à Erika Coré. D'accord. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Que de grâce dans ta vie. Et puis voilà, longue vie. Ozone Afrique Bamba. Comme toi, tu as beaucoup d'anniversaires. Faut dire pour toi. Je salue tous les Papouas. C'est pas un anniversaire, alors. Je salue une fidèle Papouase depuis New Jersey, hein, aux États-Unis. Elle s'appelle Azara Cissé. Hein, on lui fait un gros bisou comme ça. Elle vous salue déjà. Elle suit tous les jours l'émission. Voilà. Et puis, je salue aussi madame la DGA Nina Keita Kamara. Bon. Merci encore, hein, et puis bonne année à toi. Et puis je salue Big Ben, Ben Konaté, et je te salue Big Ben, et puis prends soin de toi. Et puis je salue aussi Adjikwa Traoré, ça ce sont mes parrains ça, Adjikwa Traoré, le célèbre, le king Adjikwa Traoré. Et puis bon anniversaire aussi à Jemima Agnimel, c'est la sœur du président de la jeunesse, président de la jeunesse papouaise. Ah ok, Agnimel. Agnimel. Voilà. Bon anniversaire à toi. Et puis je salue Jacky Bruy, depuis San Pedro, Jacky Bruy le citron. Et puis j'embrasse madame le maire de la commune de San Pedro. On est là-bas pour le Moulou Festival en avril. Merci encore et puis soutien à vous. Monsieur le président, oui. Attends, Willy Agnimel là. Oui. Tous les jours, il y a un anniversaire. Il a beaucoup de sœurs. Hein. Non, de sa famille, il y a un anniversaire. Il a tous des frères. Et puis, il y a Daphné qui fête un an de plus. Voilà. Oui, Daphné. Ah, Daphné d'Anti Bangwe. Ah ouais. Daphné, bon anniversaire. Et bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Mesdames et messieurs, madame la gouverneure, monsieur le premier ministre, aujourd'hui nous sommes, jeudi, c'est la 4e session de dépaporisation. Avons-nous le droit d'y aller? Tout de suite, au sommaire de Showbuzz. Avant son concert, Apoutchou National réussit un premier gros coup. On dépaporise ça. Silencieux depuis des mois, Marc Zoppo, le grand-père de DJ Arafat, parle. La sénatrice Mai Blunt lui a rendu visite pour un béret à domicile émouvant. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent Morija. Elles ont des choses à dépaporiser avec elles. Nous revoilà pour démarrer, n'est-ce pas, notre session de dépaporisation, la 4e de la semaine. Et pour démarrer, nous avons choisi d'appeler ici une étoile, l'étoile du gospel. Elle est belle, elle chante bien, elle est talentueuse. Recevons, comment ça le fait en Papouasie? Morija. Morija est avec nous en Papouasie. Il n'y a pas de musique pour Morija. Mais elle va Morija. Non. Il y a une musique spirituelle. Écoute bien avec les oreilles de ton âme. Écoute bien. C'est une manière de dire à Morija N'écoute pas avec les oreilles de ton corps physique. Monsieur le Premier ministre, oui. Je déteste que vous m'induisiez en erreur.
on se parle avant. Vous devez me dire que l'entrée de l'artiste vous devait devez, être... Monsieur le Président, vous devez savoir que lorsque nous recevons talentueuse. Une fille oui. du Seigneur, du oui. Dieu lui-même, oui. nous ne devons pas écouter la musique de façon physique. D'accord, j'accepte. D'accord, il n'y a pas de problème. Morija, oui. bonjour. Bonjour. Et quelle beauté. Ah, ça va bien. Merci. Ben, on te souhaite une excellente et fructueuse année 2024. Merci. Et que cette année soit meilleure que beaucoup de concerts. 2023. Oui. Succès. Merci. Nous sommes très heureux de te recevoir en tout cas. Alors, satisfaite de ton année 2023, quel bilan tu fais? Satisfaite. C'est ce que j'ai dit, ouais. Oui. On n'a pas dit ça. Oui. Satisfaite de ce que tu as dit. Il faut. Je dirais qu'on aspire toujours à plus hein, dans la vie. Voilà, mais je suis très satisfaite de mon année 2023. Et je crois, par la grâce de Dieu, qu'on fera plus en 2024. D'accord, magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce qui a moins marché en 2023? Qu'est-ce qui a moins marché? Mais je pense que, si c'est peut-être personnellement, il y a des défis ou des challenges, des objectifs que je me suis donné personnellement, que je n'ai pas forcément pu atteindre. Donc j'ai décidé de remettre ça à 2024. Et de m'abstenir à le faire. Lesquels? Ah, tu sais quand t'es demandé. Ah, on va dire, bon. Bon, enfin, moi, cette année, j'avais un objectif d'avoir mon permis. Mais j'ai tellement pris mon temps, j'étais très lente. Pour le permis? Et j'ai pas pu prendre le permis. Tu peux gérer ça? D'accord, je vais appeler le ministre du Le permis transport. De conduire, c'est ça ou même le permis de port d'âme? Non, non. Le permis de construction. Donc, je dis cette fois-ci, là. Maurice, j'ai un permis de quoi? C'est personnel. C'est ça, je dis personnel. Dans la carrière, qu'est-ce qu'il y a? Non, dans la carrière, Dieu m'a fait agréablement, m'a surpris agréablement au travers des projets, au travers de l'album. Donc, dire que j'ai quelque chose à... Quelque chose n'a pas marché, non. Donc, c'est bien. Alors, je reviens sur le permis. C'est permis de quoi? Permis de conduire. Mais il fallait préciser. Pas port d'âme. Ah, d'accord. Je vois, monsieur le président, je vois le ministre du transport lui-même. D'accord. Va venir te remettre ça ce soir. C'est ça, mais. Très bien noté. Alors, en 2023, voici ce que tu as fait sur Spotify. 8,1 millions d'écoutes, 349,9 000 auditeurs, 393,9 000 heures. Et tu as été streamé dans 173 pays. En septembre déjà, tu annonçais 20 millions de streams. Bah, alors. Comment est-ce que tu interprètes ces chiffres? Comment j'interprète ces chiffres? Déjà, vous avez pris le bilan sur quelle plateforme? Il y a dit Spotify. Alors, donc c'est Spotify. Oui. On fait le cumul des millions d'écoutes sur les différentes plateformes. C'est la somme de ça qui fait le plus de 20 millions de vues. De millions de 20 écoutes, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Wow. Ton ressenti? Comment tu reçois ça? Alors, je reçois ça très, très positivement et je suis toujours reconnaissante de savoir qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'on fait et jusqu'ici écoutent, stream. C'est vraiment une grâce. Donc, je suis beaucoup, beaucoup contente. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a un problème? Oui, il y a un problème. Quel est le problème? Là, nous voyons 20 millions de streams. Oui. 8,1 millions d'écoutes. Oui. Dans 173 pays. Morija, fais pas attention, il est du là. Morija. C'est un crocodile. Voilà, lui, c'est un crocodile. Donc... Tout ça là, ça fait combien de fruits? Feuillamment par là. Parce que tu es 20 millions de streams, Morija. Il dit feuillamment par là. Feuillamment par là. Feuillamment par là. C'est consistant. Ouais, ça c'est très consistant. Oui, à peu près combien? Voilà. Non, je peux pas dire les chiffres. Non, toi tu as reçu combien toi pour toi-même? Non, je peux pas dire aussi. Il y a quoi? Pourquoi on t'a fait quoi? Je peux pas dire parce Pourquoi? Que ça revient de mon contrat. Hey. Ah, tu sais, nous voilà. Là, tu sais, Morija, écoute-moi, tu sais, nous comme ça là, nous on peut dire qu'on dit pas parce que les gens là-bas nous attendent, mais toi. Tu es la fille du Seigneur qui peut dire. Justement, parce que je suis la fille du Seigneur même que je ne dois pas dire. Le Seigneur! Oui. Non, mais le Seigneur, il est témoignage. Il y a des choses, il faut témoigner la grandeur de Dieu. Il faut encourager mes soeurs. Gloire de l'Éternel. Oui, je rends gloire. Hein? Oui, madame la gouverneure, oui. Il faut témoigner la gloire du Seigneur parce que le Seigneur, quand il te donne... Il faut témoigner. Donc, au moins, tu dis au papa combien tu as eu. Mais en quel coup on est devenu. Madame la gouverneure, tu es sur le chemin du Seigneur. Oui, amen. Morija, nous qui sommes là, nous devons avoir peur. Mais toi, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Moi, c'est moi-même qui dois avoir peur.
Ça va être cool. Trop compliqué. 20 millions de streams. Ozone, c'est bon. C'est pour les 5 millions de streams. Maurice, tu es venue avec qui à la télé? Alors, je suis venue avec des membres de mon équipe. D'accord. Voilà, malheureusement, monsieur le producteur, mon fiancé n'est pas là. D'accord. Voilà, il est, je pense que pour une mission, son travail... Tu dis, je pense que... Comment ça, tu penses? Permettez-moi de rectifier, oui. Merci. Oui. D'accord, vas-y. Voilà, il est en déplacement. Voilà. Il est en déplacement pour son travail. D'accord. Donc, il est parti. Donc, je suis avec des membres de l'équipe aujourd'hui. Et il est parti où? M'accompagne. Il est parti au Burkina. D'accord, ok. Et quand il partait, qu'est-ce qu'il t'a dit quand il partait? Avant de partir, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, avant de partir, ouais. Bah, il m'a dit au revoir. Il t'a dit au revoir comment? Tu l'as accompagné à l'aéroport? Non. Mais voilà, c'est non, ça je l'ai pas accompagné. Okay. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant de partir? Il m'a dit au revoir, il m'a donné des bons signes. Au revoir, au revoir. Il a dit au revoir, Maurice, au revoir. C'est à tout, hein. Elle dit ça à tout, hein. C'est à tout. C'est à tout, hein, accolade. C'est à tout, ma femme, une accolade, tranquillement. Ouais. Il est parti, il a donné les instructions et tout par rapport à tout ce que j'ai fait. Et depuis, vous parlez, vous restez normalement en contact. C'est bien. Tu sais. C'est bien, c'est bien. Marija est avec nous pour dépopuliser sur NC et c'est tout le jour de lundi au vendredi. Onze Karen. 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 Maurija, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce que tu connais maintenant notre devise, c'est union, discipline, dépaporisation. Buzz News. Karen a style. Tchao. Karen a style. Tchao. Yo, the queen of Barre. Oh yeah. Stylé. Tchao. Parti. Veni. Karina eh. Yeah. Karina ho. Wo. Madu. Namu. Madu. Namu. Digbe o. Oh. Digbe. Oh. Digbe. Oh. Marija. Meow. On peut me surprendre comme ça. On va faire fuir les papouasiens, mais... Et Karina Stein, on parle de Apuchu National dans Buzz News. C'est loup. Aujourd'hui, au moins, Apuchu National va se produire ce samedi au Palais de la Culture. On est en quel mois? Janvier. On est en janvier. Janvier! Et tenez-vous bien. Oui. Guichet fermé, hein. Janvier. Guichet fermé, hein. Oui. C'est pas le petit artiste. C'est pas le petit artiste, c'est Katia. Hein. Ça, c'est le balai qu'elle a. D'accord. Alors, guichet fermé. Ah, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ah. Voilà. Alors, ça vous surprend ou pas, Karina? Non, ça me surprend pas. Parce que c'est le fruit de son travail et puis c'est le fruit de la persévérance. Apuchu a voulu être un artiste, il s'est donné tous les moyens et aujourd'hui la fonte de Palais de la Culture, c'est le fruit de la discipline et puis l'organisation. Et puis Moulukuku, à guichet fermé, c'est pas étonnant parce qu'il a commencé à vendre ses tickets peut-être 10 mois avant, mais combien? Très tôt. Donc c'est normal, les gens ont eu le temps de chercher de l'argent pour vendre les tickets. Ça a été tellement bien organisé, il mérite. D'accord. Marija. Je pense la même chose également. Voilà, il nous a tous surpris aussi avec l'idée, l'esprit de la carrière et tout. Et vraiment, c'est un courage. C'est vraiment un courage parce qu'être artiste, c'est beaucoup de choses. Mm. Voilà, et aujourd'hui, sold out. Franchement, ça ne m'étonne pas non plus. Mm. Parce qu'il a pris de l'avance. Il s'est bien préparé et on lui souhaite beaucoup de réussite dans ce qu'il va faire ce samedi. D'accord. Mm. Ozone Afrique Bamba, est-ce que ça te surprend? Non. Oui et non. Oui D'accord. et non. Oui, parce qu'il est en début de carrière. Et non... Parce que c'est ce qui est normal quand tu organises un concert, que tu as 1 200 000 abonnés sur tes réseaux sociaux. On suppose que dans les 1 200 000 abonnés, il y a au moins 5 000 qui sont sur le territoire ivoirien. Okay? Mmh. Et il y a au moins 3 000 qui sont à Abidjan. Mmh. Qui sont à Abidjan. Et dans les 3 000 qui sont abonnés, là, si eux ont déjà pris les tickets, les autres 1 000 ou 2 000 personnes-là ne sont pas forcément abonnées, mais te suivent à la télé. Mmh. Tu vois, donc... C'est normal. Il a fait une campagne, comme Karina l'a dit, il s'y est pris très tôt. Et moi, je suis allé à une de ses dédicaces à la Riviera. De son album. Hein, à la Riviera, de son album. Il a profité pour vendre des tickets. J'ai vu que les gens venaient acheter des tickets. Voilà. Donc, il a juste organisé son travail. C'est normal. L'organisation. Voilà. Alors, dites-moi, Karina Ozone, est-ce qu'on peut dire que Apuchu National est un artiste confirmé ou alors faut qu'on soit un peu patient? C'est un artiste confirmé, il a un album. Il y a des artistes qui n'ont pas d'album, qui ont 10 ans de carrière, qui ont beaucoup d'années de carrière, mais qui n'ont pas encore fait d'album. Et puis Apuchu,
il est déclaré à la SACEM, il est déclaré au bureau d'assez d'artistes confirmés. Au Zone Afrique, bon. À partir du moment où tu rentres dans un studio d'enregistrement, que tu payes ta séance, qu'il y a un arrangeur que tu n'as pas obligé à venir s'asseoir devant l'ordinateur pour faire, OK? S'il fait qu'il y a un son qui sort là, que tu as exprimé l'œuvre de ton esprit, tu es un artiste confirmé, frère. On a fait comment? Tu es un artiste, tu es rentré en studio. D'accord. Voilà, maintenant après, confirmé officiellement, c'est celui qui est allé au Burida, qui a ses papiers, qui est officiel, dans les papiers, qui est reconnu. Au ministère de la culture. Machin, qui est officiel, machin. Lui, il est. D'accord. Il a fait des chansons. Marija, est-ce que tu es d'accord avec ce que vous êtes? D'accord, déjà, un album, il s'apprête à affronter la salle de 4000 places, je pense. Mais il y a tout, il y a rien à dire, c'est un artiste. Ouais. C'est un artiste, il a déjà sorti des clips, et franchement, il n'y a rien à dire. Il a des fans. C'est un artiste. Il a des fans. C'est un artiste. Moi, j'aime le côté organisationnel de sa promotion. Il est vraiment bien organisé. C'est structuré. Et puis, il est structuré. Merci pour le mot, il est structuré. Alors, toujours concernant Apuchu National et son concert, Mola a publié ceci, je vous lis. Je vais me concentrer sur le concert de mon artiste Apuchu National, premier événement de l'année 2024. J'y vais parce qu'il a su se transformer. J'y vais parce qu'il a arrêté les vidéos bizarres. J'y vais parce qu'il a une forte envie de devenir quelqu'un. J'y vais parce qu'il a bon cœur et est généreux avec les autres. Alors, peut-on dire que Apuchu National a réussi à faire oublier son passé, mesdames et messieurs? Surtout ça, il a réussi à faire oublier son passé. Il est très intelligent, Apuchu. Moi, franchement, je suis fasciné parce qu'on sait tous que... On sait tous ce que Apuchu a fait sur les réseaux sociaux. Il a su, tant bien que mal, d'effacer sa vie. Carrément... On peut dire que les gens ont oublié. Il s'est transformé, il est une nouvelle personne, il est baptisé aujourd'hui, il est chrétien, il prône... les bonnes valeurs. Voilà, les bonnes valeurs et tout. Super. Il n'y a rien à dire. Apuchu a réussi à transformer ses ennemis en fans. Ouais. Il fut un moment où... Les gens le détestaient. Il fut un moment où on était agacés de voir... Chaque fois que tu vois une notification, tu vois un truc de Apuchu, tu te sentais agacé, tu te posais la question, mais qu'est-ce qu'il va dire encore? Il est en clash avec qui encore? Il va insulter qui encore? Mais au jour d'aujourd'hui, Apuchu est devenu comme une nouvelle personne. Il est devenu une nouvelle personne, il est devenu chrétien. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il prend de nouvelles valeurs, de bonnes valeurs. Franchement, le poste de Mola, qui ressemble à un poème d'amour, franchement, c'est mérité. D'accord. C'est mérité. Marija. Totalement, il a vraiment réussi ça, parce que moi-même, j'avais oublié cette partie d'Apuchu National, et je trouve que c'est super. Il a su faire converger les gens autour de son projet, autour de sa carrière artistique, et je pense que c'est un super travail. Il y a une phrase dans le poste de Mola qui m'a accroché. J'y vais parce qu'il a une forte envie de devenir quelqu'un. Ouais. Ça, c'est très important. Oui. Quand vous décidez de changer et que vous vous donnez les moyens de changer, vous méritez du respect. C'est ça. Vous méritez du respect. Vouloir changer, la volonté même déjà, c'est à saluer. En tout cas, nous, on souhaite à Apuchu National de réussir son spectacle et de prouver à ses détracteurs qu'il a du talent à revendre. Aujourd'hui, c'est jeudi et on a barré à domicile. Bonjour. Réveille-toi, Marija. Miaou. Oh, il n'y a pas quoi, Je ne sais pas. Ah, wouh, Seigneur. Allez, papoua, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans la vie, on a souvent besoin de prières. Et aujourd'hui, je suis chez un homme de Dieu. Je suis chez un pasteur. Je l'appelle mon pépé. Le pépé le plus choco de la planète Terre. J'ai nommé M. Max Zopo. Papa, pasteur Max Zopo. Il va aller l'heure. Je suis avec Ivan. Ivan a besoin de prière. Ivan, viens pour ta délivrance. Et dès qu'il y a un escalier à monter. Il est là. C'est qui? C'est la soulette. C'est quoi? C'est là. C'est Miss Mimi Blonde. On est! Bonne année! Oh!
années. Non, pas vous, mais t'es dit. Mais t'es quitté où? T'es quitté où ça? Le vieux, bonne année. Ah! Qu'est-ce qu'il s'en a allé? Je suis sûr de ne plus parler. Tu sais, après la fête, il faut manger un peu bio et il faut manger un peu africain. On a trop mangé blanc. Là, ils sont en train de faire du bon copain avec tous les éléments. Voilà, c'est ici. Ya, 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 c'est-à-dire après, non? Ya, ya, dit. Non, mais là, mais c'est le meilleur verre à domicile. Ya, rigole. Non. Mais tu peux déjà goûter pour voir. Mais c'est pas possible. Voilà, toi. Non, c'est bien fait. Tout est là. Tout est prêt. Donc, de toute façon, je te vois préparer. On m'a dit que toi-même, là, tu as fait école et ça. Oui, c'est une grande expérience de ma vie que beaucoup de personnes ne savent pas. Uh-huh. Voilà, j'ai une notion culinaire et ça m'a amené à avoir beaucoup d'expérience en termes de cuisine. Non, je dis au lever. Les gens t'appellent le pépé le plus choco. Et c'est pas choco. Mais tu es pépé de qui? Nous savons tous que, en Côte d'Ivoire, on a perdu un artiste de renom, uh-huh. Voilà, du nom de DJ Arafat. D'où je suis le cousin, voilà, le cousin à sa mère. Mais c'est Dandy, c'est ta soeur, c'est ta soeur, non? C'est ma soeur, oui. Ta propre soeur? C'est ma soeur. Donc si elle est ta soeur, elle est la maman de maman Valentine Lobo. Oui. C'est que maman Valentine Lobo est ta nièce? C'est ma nièce, c'est ce que je t'en ai dit. Ah, d'accord, c'est que j'ai pas bien saisi. C'est ma nièce, c'est ce que j'en ai dit. Et ça, son fils, qui est Arafat, est mon, oui, oui. Mon petit-fils. Oui, oui, exactement. Voilà pourquoi on m'appelle le pépé le plus choco. Oui. Mais c'est toi qui as initié ces petits mots. Le pépé le plus choco, oui. Le plus choco. Bon, faut mettre les assaisonnements, nous, on va. Je vais mettre ça, je vais mettre un peu de trucs là pour tirer ça un peu. Ah, non. Ça va te faire du bien. D'accord. Tu vois, c'est ici. Je veux t'assurer. On a traversé une période très difficile et aujourd'hui, la situation est vraiment très apaisée. Ce qui me réjouit, c'est que la paix a été retrouvée. Oh. Tout va bien. Mais la seule personne qu'on pourra toujours consoler, qu'on pourra toujours avoir une grande pensée pour elle, c'est maman Tina. Et si tu avais des mots à lui dire ce matin, ce serait quoi? Tu peux profiter de notre caméra pour lui parler, à cœur ouvert. Maman Tina, ça fait 2 mois de cela, j'ai reçu un appel de toi. J'ai été très touché, très heureux. Après près de 1 an, je n'ai pas entendu ta voix au téléphone. Et ce que je veux te dire, maman, bonne heureuse année, force à toi et sache que nous sommes de cœur avec toi. Hmm? On va changer de cadre. Est-ce qu'on est resté 3 assis là, tu sais? Hein? On va changer de cadre. Bon, ok, il n'y a pas de souci, on va aller à la terrasse là. Puis la nourriture arrive. Oui, il y a du bon vent là-bas et puis je pense que tout à l'heure. Donc, le vieux, ton ministère, ton église, est-ce que ça va, tout ça? Ben, tu sais que j'ai traversé une période très difficile. Mm-hmm. Ça, il faut en dire, j'ai toujours noté, j'ai toujours souligné. J'avais un cadre que franchement, par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir, mais je n'ai pas signé les documents qu'il fallait. Je suis pas, on n'est pas allé voir un notaire avec celui avec qui j'ai fait la transaction. Plus de combien de millions? J'ai mis mon effort, ma jeunesse, mon temps, mon argent dedans. Et j'ai perdu cet espace après le décès de ce monsieur. Et les parents viennent me dire qu'il faudrait que cet espace que j'ai occupé plus de 12 ans, que j'ai construit l'église, le temple, j'ai tout construit. Ça fait qu'aujourd'hui, quand les gens me disent, oh, mais c'est quel serviteur de Dieu qui n'a pas d'église, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, ça me fait rire souvent parce que je me dis, quand tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, n'en parle pas. Parce qu'il faut s'approcher de l'arbre pour connaître s'il a des beaux fruits. C'est Moi, j'ai vécu une situation très compliquée. Aujourd'hui, je m'en remets un peu. D'accord. Voilà. Oui. Nous avons un cadre au niveau de la psychologie et qu'on se permet de se rassembler tous les dimanches, tous les mercredis pour prier. Pour l'heure, je suis dans l'ombre et je prie le temps que Dieu lui-même révèle sa communauté au monde entier. Vraiment, ça c'est ça. C'est ça, quand les guerres sont comme ça, ça me touche, mais ça ne peut pas m'empêcher de rebondir. Non, vas-y, tu as tout le temps. J'avais un moment, un truc qui circulait sur TikTok là, on me drague. Ça c'était avant le mariage. On me drague. Hé, la fameuse phrase. Est-ce qu'on continue le dragage continue? Mais tu sais, un homme comme une femme, si on ne te drague pas, tu ne peux pas connaître ta valeur. Donc, on me drague là. En fait, c'est pas méchant. C'est pas méchant, ça doit pas aussi s'arrêter.
Maintenant, dis-moi, c'est quoi tes liens avec la famille Makoso? J'ai un rapport, j'ai un lien très fort avec Ami Makoso, en dehors des réseaux sociaux. On a eu le temps de travailler sur des plateformes d'évangélisation. On a eu plusieurs rencontres. Franchement, c'est un petit frère que j'admire. Je suis un grand frère qui l'admire. Voilà. Mais est-ce que pour ton problème d'église, est-ce qu'il t'a soutenu? Non, il ne m'a pas soutenu puisqu'on n'a pas eu le temps de parler. Parce que je voulais en parler avec lui. Mais il a fait 2 ou 3 voyages qui ne m'ont pas permis qu'on puisse en plus se rencontrer. D'accord, les papas. Moi, je vais chercher à manger. Parce que est-ce que c'est prêt? La nourriture, super, elle est prête. Si tu veux, on peut te servir maintenant et puis le temps que... Voilà. Je mange et puis on voilà, passe. Voilà, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on attend la nourriture, il n'y a pas de problème. Ok. Regardez. Je vais manger chez mon papa. Vous avez mal. Moule coucou, Karinaze. Allez, papa. Je vais manger. Bon, c'est le fils de M. Max. Bon, regarde la caméra, ils vont te voir. Hein? Il est encore jeune, laissez l'enfant grandir. Viens la préparer. Viens, t'es fou, hein? Mmh. Bon, les papas, j'espère que vous avez été servis. Vous avez aimé ce reportage. Moi, je continue mon travail. Sur ce, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Restez bénis. Et puis, tu as un dernier mot? On gagne la canne. On gagne la canne. Bisous. Ah, Mimi. Non, Mimi, moi, je dis quoi, Mimi? La sénatrice, my blonde. Ah. Tous les bons plats, là. Ah, ouais, elle, finalement, elle a mangé. Bon plat, Kali. Elle a mangé et elle a osé. Pendant que nous sommes sur le plateau et c'est midi, elle a osé. Mais, OK, c'est pas grave. Alors, Karen, à Style, aux Zones Afrique Bamba, qu'est-ce que vous retenez de cette entre-eux? Je suis contente. Cette quoi? Entrevue. De quoi? Entrevue. Bon, OK. Je suis entrevue. Entre eux. Ouais, vas-y. Oui, on dit qu'on entrevue. Je suis contente de savoir qu'il y a la réconciliation chez les Ouan. Les Ouan, mm-hmm. Et maman Tina qui s'est réconciliée avec son oncle, mm-hmm. Max Zopo. Mm-hmm. Et la famille aujourd'hui qui s'entend, c'est une grâce. Mais aux Zones Afrique Bamba. Oui, ça fait du bien de voir ça. L'union, ben, je crois que c'est ce qu'il faut promouvoir. Mm. Donc, bravo à la sénatrice et bravo à Marc Zopo. D'accord. C'est Zopo, c'est Zopo. Zopo. Ah, OK. Il est Po. Morija, tu as quelque chose à dire? Ah, mais c'est bien. Déjà, la réconciliation, c'est toujours importante. Donc, voilà, aujourd'hui, une famille est réunie, une famille est réconciliée. C'est ce qu'on souhaite. Voilà, on espère que ça ira davantage mieux. Voilà, entre la famille, les Ouan, et voilà. Donc, l'amour. On vous souhaite l'amour partout, dans vos foyers, dans vos familles, chez vous, partout, l'amour. Ozo, on salue quelques papas. Je salue Soro, Lona, Abdul Wahab, Sagon Kumala, Massa Stratège, Inous Traoré, Guy Landry Ogni, Eva de ODG, FPA, Patrick Gonraï Kassaraté, Rutish Kwame, Ben Youssef Touré, Marielle José, Malado Afis, Assalé Patricia, Queen Katari, Fousseni Sissé, David Siaka. Et Karina Stein, Tasha, Manu, Dabou, Marika, Ewa. On marque la première fois de cette émission, on revient juste après. Dans un instant, Morija sera face à 3. On va faire le bilan de son année 2023 et se projeter sur la nouvelle année. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, nous sommes toujours avec Morija qui a décidé de faire un son pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Pierre. Éléphant, voyez, termine. Éléphant, voyez. Éléphant, voyez. Sinon, t'as provoqué, là. Éléphant, waïe, waïa, waïu. Alors, Morija, on a dépaporisé l'actualité. C'est à ton tour maintenant. On va dépaporiser maintenant ta carrière. Face à 3. Tu le sais, rien n'a changé en Papouasie. On a des règles. La règle la plus importante et la règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. T'as fait si. Je dois aller, ma mère. J'ai l'égie. La Bible dit de ne pas jurer. Oh. Non, non, pas non, j'ai l'égie. C'est pas j'ai l'égie. Ah. Bon enfant. Elle a conjugué. J'ai giré.
Il y a 3 semaines, tu as sorti ton nouveau clip. Oui. Voilà, regarde un extrait. Je ne sais pas à qui tu te confies, l'espoir de parler de lui, celui qui peut prendre des zéros pour en faire des hauts. Je ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis, mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est d'une efficacité, là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité, là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Société ta câble, problème des sommiers. Bruno, j'ai faute. Non, j'ai faute. C'est pas amusant, j'ai faute. Là, t'as rappé un peu, quoi. Eh, t'as tes fautes. Hein? Et puis, le bon, c'est le zouk, là, qui... T'es 4 témoins. Où t'as tourné le clip? J'ai tourné le clip en Tanzanie, Zanzibar. Au Zanzibar? Ah, oui. Ah, ouais. Ah. Ouais. C'est beau. J'ai reconnu le côté de la mer, là. Ouais. Le Zanzibar, c'est bien. Là-bas, c'est que la mer n'est pas profonde tout de suite. Oui. Elle est claire. Elle est très claire. Bien claire. Et j'ai vu des Maasai. Oui, on a eu les Maasai aussi sur la plage parce qu'on voulait ramener ce côté un peu Caraïbes, Afro et tout. Ouais. Donc, c'est très bien. Qui a eu l'idée? Ils sont prêtés tranquillement. Qui a eu l'idée? Monsieur Jayce, bien d'accord. Sûr. Attends, tu étais en vacances, t'as profité ou bien tu es allé juste pour le clip? Je suis allée pour le clip, on allait travailler pour revenir. Pourquoi le choix de Zanzibar? Parce qu'on voulait d'autres couleurs et un autre type d'environnement. C'est pourquoi on a pensé à Zanzibar. Mais ce type d'environnement là, est-ce que tu es parti à Sogebe ou bien à Berébi? Il y a un type d'environnement spectaculaire. Oui, mais on voulait surtout cette couleur là. La couleur, le mais, bleu. Mais toi, tu ne connais pas le côté de la mer qui vient à Beret City là. Toi, tu je n'as pas vu ça. Je ne connais pas. Si. La mer qui n'a pas boire. Éléphant haut. Éléphant A. Karina, ça va. Tu chantes très bien. Merci. Moi, franchement, j'adore merci tes beaucoup, chansons. Karina. Tu véhicules de beaux messages. Tu aurais pu te contenter de véhiculer de beaux messages, mais tu fais de beaux clips en plus. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que les chrétiens doivent juste donner de beaux messages et puis pas forcément de beaux clips? Même ils savent qu'ils ne peuvent pas dire ça. Parce qu'on est enfant de Dieu, on est encore sur la terre. Et je pense qu'un travail, il ne faut pas négliger le travail de Dieu. Quand on parle d'excellence, Dieu est excellent. Voilà, donc nous, en tant que représentants ou ambassadeurs de Dieu sur la terre, on se doit de faire les choses avec excellence. Et un beau clip aussi, ça permet déjà d'enjoy davantage même la chanson. Parce que si les gens ont aimé une chanson et tout, et au niveau du clip, tu descends le niveau, ouais, c'est pas trop bien. Donc, il faut rester toujours au top, pardon. De tam-tam, de tam-tam. Je disparais. Je vous supporte plus. S'il te plaît, tu peux rester. Je vous supporte plus. Je reste pas dedans. Donc, il fallait rester au top. Ouais, voilà, mais c'est bien. Alors, moi, la question que je vais poser, c'est... Combien ça coûtait la vidéo? Parce qu'aller aux Zanzibar, déjà, c'est très coûteux. Hein. Aller avec l'équipe de tournage, les billets d'avion, tout, l'hôtel. Ah, c'est vraiment que ça coûtait combien déjà? Parlons feuillage. Dans les feuilles de la production. Hein. Parlons feuillage. Bon, déjà, s'il y a un chiffre qui est en tête, et je peux donner. On était au moins à, je pense, 5 millions. Mmh. Au moins. C'est bon. Parce que déjà, le déplacement, ouais, il fallait se déplacer. Il fallait prendre des personnes sur place, des danseurs sur place, des maquilleurs sur place. Ah, ce sont pas des danseurs? Oui, non. Mais ça, même là. Ce sont des Tanzaniennes. Donc, c'est 5 millions même. Ça dit que 5 millions, là. Franchement, ça, c'est rien. Ça, c'est pour commencer, d'abord. On a payé les vêtements. Tout le monde. Il fallait payer les vêtements de tous ceux qui allaient participer au clip. Même, il fallait manger sur place, dans les restos. Donc, tout ça, là... Ça nous a fait... Qui a réalisé? C'est Will... Non, qu'est-ce que je raconte? Là, tu vois Willie James partout, quoi. C'est Willie James qui a réalisé le clip. Hein? Qui? C'est Willie James qui a réalisé le clip. Ton chéri? Oui. Ah bon? C'est lui qui a réalisé. Vous voyez le nom qu'on commence... Finalement, qu'est-ce qu'il nous veut, ton mari, là? C'est lui qui produit. C'est lui qui marie. C'est lui qui prépare. C'est lui qui mixe. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est dans une logique de quelqu'un qui ne se ferme pas, qui ne se met pas de balise. D'accord. Il se dit que Dieu lui a fait grâce d'avoir des choses en lui, que ça peut profiter au monde entier, mais d'abord à sa boîte.
Donc, il a décidé de se lancer à la vie. D'abord, ça va être plus principalement à sa chérie. Est-ce qu'il par produit... la grâce de Dieu, je suis la première personne qui en bénéficie. Est-ce qu'il produit d'autres personnes? C'est mignon. Pas encore, mais bientôt. Okay. Déjà, bon, il y a lui-même qui s'autoproduit. Ouais, ouais, là, il est lancé. Oui, il est lancé. On dit il n'y a de redoutable que celui qui a des idées. Et ces idées, ben voilà ce que ça donne. Pas les requins. Et ce n'est pas parce que la souris a des dents blanches que tu vas penser que. Attends, souris, tu as fait. C'est vrai, c'est. Alors, tu as remporté le trophée de meilleur chantre au récent Primude pour un chantre. Ce genre de distinction compte ou pas? Compte. Quand tu parles de compter. Ça compte à quel c'est point? Important. Est-ce que ça compte? Ça compte, mais surtout au niveau du travail artistique qu'on fait. Parce qu'on monte, on descend. Je suis une artiste. Voilà, je suis une artiste et c'est de la musique que je fais. Donc, être reconnue par mon pays en tant que meilleure chantre, meilleure chantre pour d'autres, c'est dire, ah, meilleure chantre, c'est prétentieux. Non, moi, je trouve que c'est un titre honorifique. Voilà, pour ce que je fais, je ne même pas dans mon esprit, ah, je suis la meilleure chanteuse. Non, je trouve que des personnes ont voulu m'honorer dans ma catégorie et c'est pourquoi on m'a nommée meilleure chanteuse. Et je suis fière pour le travail que je fais. Non, mais attention, les gens ont voulu t'honorer, mais c'est une compétition qui a des règles où il faut voter, il faut encourager les gens à voter. Mmh. Est-ce que tu as encouragé les gens à voter? Parce qu'à partir du moment où tu as encouragé les gens à voter, ça veut dire que toi-même aussi... Tu es impliqué? Tu es impliqué, tu t'es prêt à ce que... J'ai passé une fois l'affiche. Et puis après, j'ai plus posté, voilà. Mais on s'est automotivé, parce que même ma famille était motivée, voilà. Ils se disent que quand même, tu fais quand même un bon travail pour ton pays et on va te soutenir pour te remettre ce trophée-là. Donc, tranquillement, voilà. Bravo, bravo, bravo. Tu es jeune, tu es belle, tu es chic, tu as cils, tu as un beau teint, tu sais te maquiller, tu te tresses bien, tu te coiffes bien. Tu sais faire Woyor. Tu soutiens les éléphants. Je veux dire que tu es belle, tu as le succès. Comment est-ce que tu fais pour garder la tête sur les épaules? Alors, la tête sur les épaules, déjà, il faut savoir que j'aime ce que je fais. Et au-delà de tout, c'est servi Dieu au travers mon talent, au travers mon don. Donc... je ne peux pas aussi monter sur mes grands galons parce que je crois que c'est Dieu qui donne le succès. Et j'ai aussi ma famille, des personnes autour de moi qui me permettent de revenir très vite sur terre, des personnes qui me conseillent, des personnes qui savent en fait me canaliser. Voilà, moi-même, je m'auto-canalise, mais il y a des personnes autour qui m'aident aussi à garder la tête très, très froide. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que Morija prépare son esprit même par rapport au succès et à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Très bien. Alors, Morija sur scène, voilà ce que ça donne. Hey, est-ce que tu peux le déclarer que son amour était content? Oh, yeah. Tout ça, tu l'as fait juste. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Miséricorde, ta miséricorde, tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Morija, je voulais te poser une question, mais avant, je voudrais savoir, c'est qui l'ingé son qui était l'ingé son? Bon, j'avoue que je connais pas. C'est Willy Jazz? Non. C'est possible, hein? Non, c'est pas lui. Mais le chorégraphe, c'est Willy Jazz aussi? Non. Bon, ok. Il était où à ce moment-là? Il était sur la scène, justement. Le voilà derrière, là-bas. Tu vois, pourquoi il fait ça? Il est derrière, oui. Mais hé! Quelqu'un qui est son artiste? Mais c'est lui qui fait mes beatmaking. Pourquoi il est sur la scène? Parce qu'il gère tout ce qui est son au niveau du micro.
Bah, s'il ne veut pas être loin de toi, on sait ça. Bon, en tout cas, ça peut être ça aussi. Ah, je connais. Bon, Lydia, Karine a dit tout à l'heure que tu es jeune. Moi, j'ajoute que tu as presque tout accompli. Hein. Tu as rempli le palais de la culture. Alors, il te manque quoi? Quand tu pries Dieu, tu demandes quoi à Dieu à l'heure actuelle? Concernant ce que je fais? Parce que je demande beaucoup de choses au Seigneur. Hein. Bon, personnellement citer. Et puis dans ta carrière. Voilà. Ouais. Bon. Par rapport déjà, à la carrière. Toi, avec tout ça, toi, tu demandes beaucoup de choses au Seigneur. Mais je lui demande de déjà me garder sur sa voie. Parce que tout ce qu'on arrive à faire, c'est par sa grâce. Donc, il me maintienne vraiment, vraiment, vraiment dans ses voies jusqu'à ce que je puisse finir mon parcours sur la terre et d'avoir par-dessus tout la couronne de vie pour tout ce qu'on est en train de faire là. Donc, c'est vraiment ma prière. Et pour la carrière, je prie que Dieu étende les limites, voilà, des frontières par rapport à ce qu'on donne, parce qu'on veut prôner le message de l'Évangile au-delà davantage des frontières et réaliser des exploits avec lui. Donc, c'est vraiment ma prière. Mais quand tu pries aussi, là, tu peux demander aussi qu'il faut prier pour qu'il ramène les membres de mon gouvernement sur ton chemin. Parce qu'il faut que ça soit sur ton chemin. Parce que s'ils ne sont pas sur ton chemin, là où je suis, moi-même, mon chemin, là, je souffre déjà. Non? Il n'a qu'à décaler un peu pour le mettre. Tu le vois, là. J'ai ajouté ce sujet de prière là, à ma liste. Voilà. Tu as beaucoup de choses à demander. Il ne faut pas t'amener tes calculs. Hein. Alors, Moïdia, quand tu dis au-delà des frontières, qu'est-ce que tu vises? Parce que moi déjà, je ne veux pas me donner de limites parce que notre Dieu, il est illimité. Donc, francophonie, pourquoi pas demain, anglophonie. Voilà, donc j'essaie d'étendre, voilà, ce que je fais. Mmh. Voilà, le parc des expositions, est-ce que ça te tente? Bien sûr que ça me tente. C'est dans tes projets? Bien sûr que ça me tente. Non, est-ce que c'est dans tes projets? Oui, pourquoi pas, bien sûr. D'accord. Vous parlez avec facilité du parc des expositions. Moi, il yeah, me contenter de mon terrain au quartier d'abord. Et puis, il vous rejoindre. Donc, on va marquer. Regardez, Juste après la pub, une grosse prestation de Morija. On vous donne aussi des news du showbiz. À tout de suite. Je ne sais pas à qui tu te confies, l'espoir de parler de lui. Celui qui peut prendre des zéros pour en faire des hauts. Je ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Sauf si t'as câble, problème des somnies. Trop de rembats, problème des monies. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'a aidé. Au fond, t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, il t'empathie, il est méga au. Sur toi, il met sa faveur. Et sa parole ne manque jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie, il met sa efficacité. Là où ils t'ont humilié, ils peuvent te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, ils peuvent te relever. Je me dis
Morija, le nom de Jésus. Très joli morceau, très belle vidéo. On va te permettre de, bravo, de souffler bravo, un tout petit peu. Bravo. Le temps de laisser l'espace à notre Premier ministre pour nous informer. Show News. Nous sommes le jeudi et jeudi consacré aux news made in Africa. Aujourd'hui, nous allons poser notre valise. D'abord, pour commencer, au Cameroun. Pourquoi Cameroun où, la chanteuse Mani Bila a été victime d'une chute lors d'une prestation. On lui apporte de la force. On a quelques images que j'aimerais qu'on vous présente maintenant. Tintich. Skintich. Ça, c'est fort, j'ai fait comme ça. Ouh. Oui, 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 c'est vrai, on a vu ça, on a été vraiment attristés. C'est des choses qui peuvent arriver, donc, c'est un malheur. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Mani Bila? Non, pas aujourd'hui. Moi, je la suis, je suis tombée sur la vidéo. C'est elle-même qui l'a postée sur Facebook, je suis tombée sur la vidéo. Après, un peu plus tard, bon, ça fait 3 à 4 jours qu'elle a posté la vidéo. Après, ça, elle a fait des vidéos où elle a souhaité bonne heureuse année aux gens. Elle va bien. Elle va bien. D'accord. Ben, Dieu merci. Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Ouais, alors, merci de rassurer les Africains. Alors, allons à Bamako retrouver le king. Celui-là qui remporte tous les prix aujourd'hui, qui nous a fait, qui traumatise l'Afrique à travers une chanson intitulée Traumatisé. Et alors, il a chanté en français. Hein, c'est Ibawan. Ibawan qui nous sort Traumatisé. Ça fait du bien de voir ça. Moi je viens de loin, j'ai touché le top, il peut pas me tester. Depuis l'époque des GRR, c'était moi les boss. 17 ans de succès, toujours sur le trône, respecter les gouttes. Mon étoile brille, j'ai m'a mis au sommet, mais c'est pas ma faute. Je vais les traumatiser, je vais les traumatiser. 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 Jaka, Mali Jaka, Jaka, Pidi Fana, Jaka, Mali Jaka, Jaka, Sosuri Kawili, Jaka, Mali Jaka, Jaka, Pidi Fana, Jaka, Mali Jaka, Jaka, Sosuri Kawili. Arrêtez de faire rêver les enfants. C'est beau tout ça, Ozone, ouais, c'est très beau c'est tout magnifique. Ça. Oui, c'est magnifique. Et justement, ce que je vais vous présenter est tout aussi magnifique. C'est donc Black M, Kevin Soulbanks, MC Fresh, Maxime Beka, Dépotoir, Mélangeur, Striker, qui sont tous des rappeurs guinéens, sur un même morceau intitulé « Comment allez-vous ?». C'est un très, très, très beau morceau disponible sur YouTube. Je viens de là où y'a R, c'est juste le zoo. Ne viens pas me départ, j'ai un gros rendez-vous. Je n'aime pas me montrer parce qu'ils portent la hine. Chez moi y'a ce qu'il faut, on dit juste Amine. Pieds dans du Dior, je les avais dans le vide. C'est l'histoire d'un mec en chute libre, mais belle est la vie. Je suis connu Paris, Marrakech, Dubaï, Tel Aviv, Dunia. Y'a ceux qui kouma et ceux qui font la diff. Yeah. On les laisse faire la malache avec Madame Ario. On danse la lambada, pas les choses en grand comme un mec de la NBA. Si je pense à toi, c'est que tu me dois un billet. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Yeah. C'est un très gros projet. Depuis un certain temps, les artistes guinéens se réunissent à travers, par exemple, le morceau, l'un des morceaux qui est sorti avant celui-là, c'est Guinée le paradis. Il y a de très, très gros morceaux comme ça réalisés en Guinée où les artistes se réunissent pour valoriser leur pays. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Bravo Black M, bravo Soulbank, Striker, Mélangeur et tous les rappeurs guinéens. Merci Ozone, je pense que les artistes ivoiriens devraient suivre, n'est-ce pas, cet exemple, parce que partout en Afrique, les artistes, c'est la fraternité, ils se mettent ensemble. C'est bon, c'est un exemple à suivre. Et puis, bon, voilà. Ah. Morija, alors, je vais te montrer des photos, et puis tu vas nous dire avec la sincérité qui te caractérise ce que chacune de ces personnes représente pour toi. Tu es d'accord? D'accord. Skintich, la première image. K.S. Bloom. K.S. Bloom. Oh. Ça, c'est la première. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un artiste gospel également. C'est une personne très humble. J'ai eu l'occasion de faire une semaine, je pense, avec lui et 3 jours dans d'autres pays différents. C'est une personne remarquable. Il fait un très bon travail déjà au niveau du gospel. Et quand j'ai côtoyé la personne même, j'ai aimé davantage parce que c'est une personne très simple, très, très humble et voilà. D'accord. Donc j'aime beaucoup K.S. Deuxième image, Skintich. Oh! Mariadé. Mariadé, ça c'est un modèle. Voilà, Mariadé est une servante de Dieu qui nous a bercés depuis notre enfance.
Et ces chansons m'ont béni. J'ai repris même ces chansons au travers mes, comment dire, mes covers, parce que je l'aime. Elle m'a beaucoup impactée. Et ça m'a fait plaisir de la rencontrer quand elle est venue à Abidjan. Quelle est la chanson de Maria Adé que tu maîtrises, que tu aimes? À tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée. Fais-en ce que tu veux, Jésus, sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Yeah. Bon. Yeah. Faites pas attention parce que nous sommes très, très émotionnés. Bon, alors, dernière image. Skintich. Monsieur James. Willie James. Alors, Willie Jay, c'est mon producteur. Voilà, c'est producteur, là. Mon fiancé, voilà, une personne très exceptionnelle, auprès de qui j'apprends beaucoup. Voilà, donc... Comment tu l'appelles? C'est quoi ce petit nom à la maison? Hé hey. Et puis, mon père, vous l'appelez sur les réseaux. Oh, chi. Mais pas dans les agréables. Ouais. Non, quand on le voit des sites ici, il s'appelle... Poutouni, on l'appelle Poutouni d'ailleurs. Les gens font ça sur les réseaux. Je te promets, on va faire ça. Hé, hey, oh, cher papa. Ne fais pas ça. Selon la constitution, il est interdit d'appeler Willie James par son petit nom. Ouais, c'est quoi son petit nom? Non, son petit nom. Toi, ton petit nom, c'est qu'il t'appelle comment toi, ton petit nom? Il m'appelle... Il a deux noms pour lesquels il m'appelle souvent. Marraine ou championne. Et lui, son, ses deux petits noms. Si ça, c'est Marraine Chapelle. My private man. Ça, il ne peut pas répéter. Personne va écrire ça. Si l'on fait ça, la crèche va l'arriver. My private man. Qui va l'aider? Comment ça, private? En tout cas, Morija, vraiment, on a été très, 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 très ravis de partager ces moments avec toi. Tu es une très belle personne. On te souhaite bonne chance pour la suite. De toute façon, tu es avec la bonne personne. Tu es avec le Christ. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et tu salues tout le monde pour nous et puis tu reviens nous voir quand tu veux. Très vite. Karine, à style. Malou. Demain, c'est la fête. Oui, oh. Demain, c'est la fête à Papouasie. Vous savez, c'est vendredi. Puis il y a caillou dans nos oreilles. Cher Papoua, c'est terminé cette émission. Vraiment, j'ai pas envie de vous laisser, mais il faut que je vous laisse. Il faut que je vous laisse. Celui qui va venir fermer l'émission, qui attendait que je regarde, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est lui. C'est lui. Showtime, c'est maintenant avec eux. Ils sont deux, c'est un duo. Et puis, on les aime beaucoup. Prenez soin de vous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Black baby on the mix, maître vie, elle est vie de dessin espoir. Moi si c'est pas que j'ai ça, moi aujourd'hui j'apprends des bâtards. Partout où je demande travail, on me dit les talents seuls ne suffit pas. Mon ami, toi-même faut voir. Est-ce que ça c'est normal? Depuis je me bats pour pouvoir m'en sortir. Mais wallah, ça ne va pas. Fornais, pardon, dis-moi, t'es où? Pourquoi quand je suis là, tu es où? Je suis fatigué de valider vos dits. Je veux aussi goûter ton yaou. L'argent, pardon, dis-nous, t'es où? Pourquoi lorsqu'on est là, tu es où? Nous sommes fatigués de valider vos dits. On veut aussi goûter ton yaou. Car chez nous, y'a pas barbare ici. Dans comme un bras comme gay, tous nos petits francs, laissez et tu. Où c'est mettre la recherche du bifond. Car tout ce qu'on fait là, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Hey, hey, hey. C'est pour l'argent. Yelele, yelele. Même pour aller à l'école, il faut l'argent. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Hey, hey, hey. Il faut l'argent. Bon, ne prends pitié. Je suis l'espoir de ma famille. Matin, midi, soir, je charbonne sans avoir de repos, sans relâche. Maman vieillit et j'arrive pas lui faire un cadeau d'un petit pagne. Ne viens pas mélanger mes projets arrière de moi, petit Satan. Laisse-moi me concentrer, moi je veux poser des briques dans mon village. J'ai confiance en toi, Dieu, j'ai confiance en toi, tu sais. La pauvreté a fait de moi son ami de tous les jours. Des millions d'euros, je veux des millions d'euros dans les poches. Ma godi quartier m'a laissé parce que dis le feu. Chez nous y'a pas bala ici. Dans comme un bras comme gay. Tous nos petits francs laissés et tu. Où c'est mettre la recherche du bifond. Regarde ce qu'on fait là. C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Hey, hey, hey. C'est pour l'argent. Yelele, yelele. Même pour aller à l'école, il faut l'argent. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Hey, hey, hey. Il faut l'argent. Bon, ne prends pitié. L'espoir de ma famille.
l'espoir de ma famille. Oh, oh yeah. Je suis l'espoir de ma famille. Oh, je suis l'espoir de ma famille. Oh, oh yeah. Je suis l'espoir de ma famille. Gusta, c'est si bon.